mieux gérer les flux d'informations du système sanitaire de notre pays et assurer un maillage des communications avec les services déconcentrés du ministère de la Santé, que sont, entre autres, les hôpitaux de zone, les hôpitaux départementaux, les centres de santé. C'est l'intérêt de la desserte de la fibre optique au ministère de la Santé. C'est un plus pour une bonne prise en charge des urgences sanitaires, de la télémédecine, voire de la cybersanté. Les moyens de la communication et de l'information qui nous sont offerts aujourd'hui par la technologie, comme on dit, les nouvelles technologies, sont remarquablement aujourd'hui identifiés par la fibre optique comme le moyen le plus rapide, le plus performant. Ce moyen va nous permettre de faire circuler l'information pour que la médecine puisse être au bénéfice des populations, puisque c'est sa mission. Mais la fibre optique va aussi permettre de faciliter l'échange des connaissances entre les différents acteurs, rassembler l'information utile pour améliorer l'action. C'est notre jour aujourd'hui, grâce à l'OMS, grâce au soutien de l'OMS. J'allais dire grâce au soutien constant de l'OMS. Il faut communiquer. Il faut communiquer avec les moyens les plus performants. Il faut exploiter de manière optimale les acquis de la technologie. Je crois que c'est dans cette logique-là que nous inscrivons. C'est pour cela que nous avons choisi de disposer de la fibre optique. Les travaux d'implantation de la fibre optique au ministère de la Santé vont durer 2 semaines. Et le haut débit de la toile planétaire prendra sa marque au niveau central du département ministériel en charge des questions de santé. Il est prévu une extension de ces acquis des nouvelles techniques de l'information et de la communication dans la gestion départementale, dans les hôpitaux de zone sanitaire de notre pays.